bien voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade étendue des calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour. Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils drainent tout le pays, les comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Si vous voulez voir confondu les coquins dans une histoire un peu triste ou tout. Et voici les premiers invités, tiens, des gens qu'on connaît, tiens, notre ami Fabergo qu'on a reçu il n'y a pas longtemps, mais aujourd'hui c'est pas Fabergo qui vient, c'est les Salfées. Salfées. Ah, elles sont pas gentilles ces Salfées. Ah tiens, non, elles sont sympas, vous verrez. On a des écrivains, on a deux écrivains aujourd'hui, j'ai plus les prénoms en tête, la première... Marise, c'est Tom Zach. Et notre amie qui nous vient... Rachel. Mignot. Voilà. Et notre ami Pierre aussi, qui représente le mouvement anarchiste de Metz, c'est ça? Donc on va parler politique aussi aujourd'hui, parce que là, il y a des choses à dire et à mettre en valeur. Hein, ça va, je pense que ça va bien chauffer aujourd'hui. On avait, donc c'est à peu près ce qu'on avait en invité aujourd'hui. On aura beaucoup d'intervenants, puisqu'on aura Pierre Dodin, qui est aussi intervenant sur Nancy Web TV, qu'on salue en passant, qui va nous faire enfin sa rubrique cinéma. On a notre ami, j'ai plus son prénom d'ailleurs, tiens, qui nous vient de Bordeaux. Oh, elle vous dira tout à l'heure, Laurence vous dira tout à l'heure, qui a fait le déplacement et qui fera le déplacement maintenant, tous les mois, pour venir faire une chronique humour, qui est vraiment géniale. On a notre ami, pardon, j'ai failli oublier, mais je ne pouvais pas l'oublier, j'ai gardé pour la fin, le meilleur pour la fin. Alors je vais reprendre ton prénom. Emma, et qui, elle, nous fait de la bijouterie créative, donc tu nous crées des bijoux. Ça va être joli, ça va être beau, ça va être nickel. En plus, on a vu qu'à côté de toi, il y a une artiste, donc écrivain, qui fait aussi de la peinture. Donc vous serez deux sur le thème des artistes plasticiens aujourd'hui, si on peut dire. Mais c'est vrai que le créneau bijouterie, c'est la première fois qu'on le reçoit, si je peux dire, dans le terme. Mais c'est quelque chose qui est assez passionnant, vous allez voir, très joli. Et je pense que le lien qu'elle vous laissera après pour aller accéder sur ces murs vous donnera envie peut-être d'aller acheter et commander chez elle. Voilà, moi je vous dis au mois prochain. Passez un excellent mois, une bonne émission en compagnie de Laurence et tous ses invités. Et puis je vous dis à bientôt. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent bien. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont démonté leur tréteau, ils ont monté leur estrade. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Thérapic TV pour votre émission préférée. Allez, soyons fous, parole d'artiste. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Salut, là. Ça va et toi? Ça va? Lolo, toi, c'est mignon. Ça s'appelle toujours comme ça. Lolo, là. Voilà. Donc, on peut déjà commencer à se souhaiter une bonne année, c'est pas trop tard. La meilleure vœu, donc, à tous nos téléspectateurs. Hein, continuez à rester toujours pareil, toujours aussi libre. C'est sympa. Donc, on retrouve Katia, Jean-Pierre Antonio. Bonjour. Comme à chaque émission. Salut, Katia. On retrouve Décapé. Hein, qui interviewera une artiste, Emma, de Bouchetour le Sol, qui nous rencontrera tout à l'heure. On a un nouveau chroniqueur, monsieur Laurent Dupeux, Bordelais, parisien. Parisien, navigation. Donc Laurent, toi, tu vas, nous aussi, on est heureux de t'accueillir. Donc toi, en fait, tu vas présenter un billet d'humeur, d'humour. Hein, donc à chaque fois sur des thèmes différents, oui, c'est très gentil. Et aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi? De plusieurs choses, je préfère vous laisser la surprise. D'accord, hein, ce sera la surprise. Rien dire pour l'instant. D'accord. Et puis on a Pierre Dodin, que vous connaissez déjà, on l'a reçu déjà comme invité. Voilà. Donc pour une rubrique ciné. Voilà, sur Fantastica. Fantastica, ouais. En plein dedans. Ouais. Ouais. Bah ouais. Je dessine les cernes la semaine prochaine. Voilà, et donc là, à notre table, on reçoit Pierre. Bonjour Pierre, la Fédération anarchiste de Metz. Hein. Donc c'est ça. Donc merci d'être venu. Du groupe de Metz. Voilà. Fédération, donc on est plusieurs groupes qui sont fédérés au niveau français. D'accord. Ou même un groupe en Belgique. D'accord, très bien. Voilà. Ok, bah, bienvenue d'être là.
Donc merci à tous. Mais de rien. Donc voilà, donc on accueille Pierre de la Fédération anarchiste de Metz. Donc comme vous nous expliquez, c'est une fédération donc, qui fonctionne par groupe. C'est départemental? Non, c'est chaque ville, chaque, même dans une ville, il peut y avoir plusieurs groupes. Par affinité, en principe, les groupes se structurent par affinité. Mais vu le, comme on n'est pas tellement nombreux, la plupart des groupes sont quand même synthésistes, c'est-à-dire qu'on accepte toutes les tendances de l'anarchie. D'accord. Donc on a pu constater, on a fait quelques recherches sur Internet. Moi j'étais un peu, c'est vrai qu'un peu étonnée que le mouvement existe encore, je veux dire, parce que je pensais plus que c'était une mouvance entre les années 70 et 80. Donc vous avez sept grands axes, donc, qui sont l'égalité sociale et économique de tous les individus, la possession collective ou individuelle des moyens de production et de distribution, l'égalité dès la naissance des moyens de développement, d'éducation, d'instruction, donc dans plusieurs domaines, l'organisation sociale sur les bases de la libre fédération, donc ouais, je fais vite, j'abrège, la libre union des individus selon leur convenance, le droit absolu pour tout individu d'exprimer ses opinions, et pour finir, l'abolition du salariat et des institutions en général, ainsi que des religions, la lutte contre les religions. Donc ça fait, ce texte-là fait partie des principes de base de la fédération anarchiste, donc tout militant qui souhaite adhérer à accepter ces quelques préceptes fondamentaux. C'est une charte en fait qu'il faut signer quand on rentre dans le groupe ? Non, on ne signe rien, on accepte, c'est tout. Dans le mouvement, ce sont des principes de base qui régissent en fin de compte toute notre fédération, toute la fédération anarchiste entre les individus qui sont donc, comme c'est précisé à un moment, de s'unir librement entre personnes, entre groupes et donc le fédéralisme et la liberté. Et donc au niveau de la citoyenneté, etc., comment est-ce que votre mouvement s'implique dans la vie collective actuelle? Actuellement, on fait plus de l'information au niveau des personnes, parce que bon, on n'est pas trop nombreux, comme disait Léo Ferré, on n'est pas un sur 100, mais on est pas loin. Et un sur 100, on est déjà un sur 100, ça j'ai un gros. Donc ça ne nous permet pas de vraiment peser sur la politique actuelle, mais ça nous permet d'ouvrir les débats, de discuter avec les gens, de leur faire prendre conscience de la politique actuelle en général, et ce qu'est effectivement nos propositions en tant qu'anarchiste. Donc à moyen terme ou à long terme, vous n'avez pas l'objectif de gouverner en fait le pays? C'est ça que je ne comprends pas trop en fait dans le mouvement anarchiste, parce que enfin,